Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 19e épisode de Mystic Quest. On a trouvé une nouvelle épée dans la grotte de glace. Et puis on était surtout en train d'explorer le vaste monde, maintenant qu'on a le chocobo qui marche sur l'eau. Et cette musique est vraiment trop bien. Alors figurez-vous que quand j'étais petit et que je jouais à ce jeu, j'ai dessiné le plan complet du monde sur du papier. J'ai dessiné chaque écran dans les moindres détails. Et donc j'ai une carte du monde que j'ai toujours. Mais je vais essayer de ne pas l'utiliser. Mais quand même, elle est classe. Alors, je venais d'ici. Ah, voilà le chocobo. Pourquoi j'avais laissé là? Ah oui, parce qu'il aimait pas la glace. Aïe. Aïe. Bon, tant pis. Un petit coup de bûcheron. Donc alors si je me souviens bien, c'était par là la fameuse ville où les gens étaient gelés. On va essayer l'épée ici. Cool. Ah, ça marche pas sur eux. Bon, tant pis. Viens là toi. Heureusement ça marche sur eux. Laisse-moi passer. Ok. Bienvenue à l'Orim. C'était là, non? Fermé. Oh, j'ai plus que 4 clés. Voilà que je rachète des clés. Meilleur ici, bonjour. Donc apparemment j'ai bien délivré les gens de leur maléfice. Tu as la clé d'os. Siba, remonte le fleuve près de la côte ammonite. Ouais, je sais pas où c'est la côte ammonite. Va à Roc Flottant, côte ammonite. Utilise cette clé à la grotte des Rocs Flottants. Le monstre gardien a la légendaire épée. T'as trop d'objets. Comment ça, t'as trop d'objets? Ça veut dire qu'il voulait me donner un autre objet? Par contre, ouais, il est urgent d'aller acheter des clés. Ah d'accord, il me la donne plusieurs fois. Voilà le bug. Ok, j'ai compris. Donc j'ai deux clés d'os. Je vais en jeter une à la poubelle. Ensuite, je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. Je passe à un magasin. Merci à toi, Siba attend dans l'autre pièce. Ouais, je sais. Ouais, de rien, ça fait plaisir. Mince. Laisse-moi passer. Ok. Ouais, je t'emmène. Mais, oui, voilà. On va partir sans toi quand même. Hey, je me fais tuer par les ennemis du début du jeu, là. C'est pas normal. X-Vie. Ah oui, et donc l'élixir, j'ai regardé sur internet. Puis
puisque je retrouve pas le mode d'emploi du jeu. Ça redonne tous les points de vie et tous les points de magie, apparemment. Oups. Là, j'ai rien d'autre à faire que attendre. Ou peut-être utiliser une magie. Alors, hop. Tiens, on va sauvegarder. Tout ça j'avais fait. Oui, tout ça j'avais fait. Donc, si je me souviens bien, il y avait un magasin pas très loin là-haut. Ah, bah c'était là en fait. Ah, c'est malin. J'y retourne ou pas? Oh non, j'y retourne pas, j'ai la flemme. Et donc là, je suis au sud de la map. Et là, je suis au nord. Il devait bien avoir un magasin au sud. De toute façon, je suis pas très loin de Wendell, donc je peux aller à Wendell, par exemple. Voilà. Allons-y. Hop. On va aller acheter des clés à Wendell. Il est où le magasin d'objets déjà? Il n'est pas là. Il est là. Puis on va revendre notre or. Alors, des clés. Ah oui, j'ai trop d'objets. Bon, la clé d'os... Ah, elle vaut 2 pièces d'or. Mais j'ai pas intérêt à la revendre. Même si Siba m'en donne autant que je veux, mais bon. Hache sans flamme. L'épée de sang, je peux m'en débarrasser puisque j'ai l'épée de glace maintenant. Je vais quand même vérifier. La lance, je la garde, elle est cool. L'épée de glace 83, l'épée de sang 69. Donc, il n'y a pas photo. Non, je voulais faire vente. Allez, ça fera un petit peu d'argent, même si je manque pas d'argent. Et puis je vais vendre un XTR, puisque j'en ai plein. Et acheter une clé. Enfin, 4 clés. Allez, c'est parti. On va continuer notre petite visite des mers. Parce que... Oula, je pense qu'il reste encore beaucoup de choses à voir. Eh, je peux même pas les tuer? C'est de la merde, épée de glace. Viens, on s'enfuit. Eh. Ah. Non, ça, je connais pas. Hein. Là, je suis jamais allé. Et là, je connais. Ça, je connais. Ça, je connais pas. Là, il y a des espèces de cristaux ou des espèces de roches ou je sais pas ce que c'est là qui flottent. Ah, bah, c'est ça. Les rocs flottants, peut-être. Ça, je connais pas non plus. Tout ceci me semble bien passionnant. Je suis un peu perdu. Oh! Cool, je peux venir là. Mais à quoi ça sert? Ça sert à tuer lui, là? Il est mal placé pour que je le tue. Je vais essayer de les tuer comme ça. Peut-être que ça va me donner un coffre ou quelque chose, hein, on sait jamais. Ah, il se déplace. Alors, on va essayer l'étoile. J'ai remarqué que l'étoile, elle tuait quand même beaucoup de monstres que les autres armes ne peuvent pas tuer, des fois. Oups. Eh, hey, reviens! Wow! Prends ça! Eh, hey, il est disparu l'autre! Il se cache sous l'eau! Ah! Trop loin!
Je t'aurai. Ah. Un élixir. Trop cool. Bien, bien, bien. Ça, je connais, non? En bas. Ça me dit quelque chose, tout ça. Ça, je connais pas. En fait, là, je suis tout à l'est du monde. Et là, je suis tout à l'ouest du monde. Ça, je connais, ça, c'est sûr. Alors, est-ce qu'il y a moyen de trouver une sortie? Un des endroits qu'on connaît pas encore. Par là, peut-être. Ah ah! Et si je continuais, qu'est-ce qu'il y a après? Ça, je connais. Ah oui, ça, je connais aussi. C'est là que j'ai eu la hache au tout début du jeu. Et les marais du début du jeu. Ah, c'est marrant. Ok. Allez, on va voir jusqu'où on peut aller comme ça. La carte du monde est quand même bien faite. Y a pas à dire. Et ça, je connais aussi. Ah, et là, je peux pas passer. Et donc là, c'est Wendell. Ça, je connais pas. Je vais retourner dans la mer après. Ah, je peux pas passer. Dommage. Ok, donc là je pense que c'est tout. Ok. Demi-tour. C'est bien parce qu'il va vite en plus. Allez, stop. Reprenons la vraie musique. Donc là, je suis au nord des marais, en fait, des marais du début du jeu. Alors, vous savez très bien, vous l'avez vu, mais je dis ça aussi pour moi-même, pour essayer de me repérer. Sagesse. En fait, je suis là. Trop d'objets encore. Tu as foudre. Ok, très bien. Encore? Bon, je peux pas l'attraper de toute façon. Waouh, je sais pas trop par où il faut commencer. Oups. Hop. Non, attendez. Déjà, je vais voir là-haut. Ah ah! Cool, cool, cool. Ah oui, je suis de l'autre côté de la rivière. Bon, pourquoi pas. Cool, la chaîne, elle marche aussi sur eux. Allez. Opale. Encore
encore du minerai à revendre. Et jusqu'où je vais aller comme ça? Ah ah! Les fameux rocs flottants. Alors, comment on les franchit, les rocs flottants? Serait-ce avec l'étoile? Eh oui! Donc là, je suis de retour à Wendell. Enfin, à côté de Wendell. Ah, c'est pénible. J'ai trop de choses. XV. Un magasin. Ok, mais rien d'intéressant. Donc je vais vendre mon opale. 1750. Eh ben, ça a de la valeur. Ok, ok, ok. Reprenons la chaîne. Marche pas? C'était quoi que j'utilisais? Bah si, c'était l'étoile quand même. Ah oui, ça marche. Donc je viens de là-haut. On est d'accord? Oui. Rien ici. Encore une XV. Aïe. Aïe. Ça va pas se passer comme ça. Non. Stop. Et toi, t'es un peu loin quand même. Vas-y, ouais, rapproche-toi. Zut, j'aurais pu l'avoir. Ok. Bon, vous savez quoi, je continuerai à visiter tout ça dans le prochain épisode parce que ça fait à peu près 20 minutes. Salut, à bientôt !